Bonjour mes amis poissons, c'est votre tirage pour ce mois de novembre et aujourd'hui je vais me servir de divers oracles, donc le tarot psychique. Alors on va voir qu'est-ce qui se passe pour vous, poissons et ascendant scorpion. Écoutez, si on parle du scorpion, je ne sais pas pourquoi. En tout cas, poisson, ascendant, poisson, voici votre tirage. Allez, qu'est-ce qu'on dit pour vous? On va retirer les oreillettes parce que ça ne sert à rien. Bon, bah on reprend, ça a coupé. Écoutez, je suis contente quand même de vous retrouver pour ce mois donc de novembre. Alors, qu'est-ce qu'on dit pour vous? Alors déjà, dans le taureau psychique, on parle de sacrifice. Alors, le sacrifice, ça veut dire prendre sur soi. Ça veut dire aussi aller de l'avant, ne pas regarder ce qui s'est passé jusqu'après. Hein. Vous voyez, c'est une personne qui sort de l'eau. L'eau est quand même sombre. Hein. Et au-dessus d'elle, il y a l'arc-en-ciel. Et elle monte ses vibrations. Vous voyez, elle monte ses vibrations, cette personne. Et comme vous voyez, c'est quand même le bleu céleste qui entoure. Donc, on va aller forcément vers... vers le meilleur. Ça a coupé. Donc ça reprend. Donc voilà, le sacrifice aussi, c'est peut-être un changement qui doit se passer aussi dans votre vie. On va dire que vous pouvez, vous, en fait, vous allez. Le sacrifice, c'est la perte de contrôle aussi, c'est le lâcher prise. Donc je pense que c'est un bon moment pour faire une pause, réfléchir et peut-être méditer aussi à votre vie. Futur. Donc je pense qu'il serait quand même prendre le recul nécessaire afin d'apprendre à regarder les événements avec un œil peut-être beaucoup plus compréhensif et peut-être aussi beaucoup plus intuitif. Donc on va vous demander de voir les choses différemment, une perspective différente. Voilà. Donc on vous dit quand même que vous en êtes capable parce que peut-être vous êtes dans une période aussi de transition et de changement. Donc, il y a une évolution. Il y a quand même des choses. Vous cherchez peut-être à mettre... peut-être vous avez mis du temps à y arriver. Mais là, il faut accepter les choses telles qu'elles sont parce que celles-ci, vous ne pouvez pas les contrôler. C'est tout. Donc, peut-être que vous avez besoin aussi de guérir des soucis sentimentaux, même professionnels, précédent voilà, il faut laisser le passé derrière. Vous voyez, le passé il est là, hein, et l'avenir il est vers le haut. Donc soyez confiant, attentif peut-être aux nouvelles portes aussi qui s'ouvrent à vous et aux nouveaux chemins. Voilà, donc on vous dit, si on regarde bien, le sacrifice ça correspond au pendu, hein, le pendu que l'on trouve dans le tarot. Voilà, donc si vous êtes tarologue ou astrologue, hein, vous regardez un petit peu le pendu, hein, ben, tête en bas, hein, donc le temps est suspendu pour lui. Voilà, allez, on va voir l'autre lame pour vous de suite. Alors, la deuxième lame qui, pour vous, sur ce mois de novembre, est donc la lumière. Donc la lumière, c'est tout ce qui est pour vous. Voilà, c'est le moment d'avancer. C'est le moment, on dit que vous êtes donc la lumière, hein, sous les feux des projecteurs. Hein, mais je pense qu'il y a il y a la prospérité dans votre vie. Il y a peut-être de l'argent qui va rentrer aussi. C'est le plaisir, le bonheur, la croissance, le succès, la joie. Donc pour moi, il y a un renouveau. Voilà. Donc vous voyez, ça va très très bien avec celle-là qu'on a vue par exemple, donc lâcher prise. De ce fait-là, il y a cette notion quand même de renouveau. Voilà. Donc ça parle aussi de rayonnement intérieur, de spiritualité, la générosité. Pour moi, je pense qu'il y a, il y a quelque chose qui rayonne de vous. Il y a même au niveau sentimental, on dirait quand même qu'on ne veut plus être dans l'ombre, on va expanser. Voilà. Donc, il y a des vérités peut-être que vous êtes cachées, que maintenant, il faut aller vers l'amant.
vers la main, vers de l'avant, pardon, la main, vous voyez, hein. Voilà, je ne sais pas pourquoi, voilà. Donc, effectivement, il y a des chemins qui s'ouvrent à vous, qui étaient jusqu'à présent peut-être invisibles, et que là, vous voyez qu'en fait, c'est ce chemin. D'ailleurs, vous regardez vers le haut, hein, voyez, on tend la main vers le céleste, vers le beau. Donc, je pense que c'est le moment d'être dans l'amour, d'être dans le bonheur, d'être dans la joie. Voilà. Donc, vous brillez. Là, par rapport au tarot, toujours, ça correspond au soleil. Allez, on va voir une troisième lame pour vous. Et là, donc là, on parle de patience. Alors, la patience, c'est vous avez attendu peut-être votre heure. Là, vous avez attendu. On sème ce qu'on récolte, en fait. Hein. Non, on récolte ce qu'on sème. Décidément, c'est pas mon jour. Mais non, il y a quand même des choses très, très intéressantes pour vous. Alors, la patience, c'est l'adaptation aussi. À l'adaptation à cette nouvelle vie. Donc, il faut être vous-même. Donc, il y a une nouvelle façon de penser, une nouvelle façon de travailler, un autre chemin peut-être spirituel. Mais en tout cas, on est dans l'attente. Là, comme c'est la troisième et que c'est une carte effectivement de patience, on va voir qu'est-ce qui se passe. Je vais recouvrir cette carte. D'accord ? Hop, allez, on te met là et on va te recouvrir. Et là, on parle de destinée. C'est pas beau la vie ? Alors, la destinée. La destinée qui correspond à la roue de fortune. Donc, je pense que quand même là, la destinée, on vous l'a dit, suite à la sagesse que vous avez eue, là, on vous laisse de comprendre la destinée sur le chemin sur lequel vous êtes. Donc, poisson, assumez vos responsabilités de vos actes et avancez. Donc, c'est en votre faveur. Voilà. Donc, la roue tourne de nouveau favorablement vers vous. Allez, on va regarder. Donc, maintenant, on a terminé avec le psychique, même si je veux voir la couleur de votre chakra. Quel est ce chakra Allez, on va tirer une petite carte chance pour vous, poisson, et après je passerai aux autres oracles. Bon, l'union spirituelle, hein. Voilà. Là, c'est le 2. Sévère. Donc, c'est l'union spirituelle de deux âmes, là. Deux âmes qui se comprennent. On verra en détail ce que dit... bon, le vert, c'est l'espoir. Hein. C'est le chakra aussi. Plexus, peut-être. Voilà, à voir un peu. Et on va voir la couleur du chakra. Tiens. Justement, on va voir la couleur de votre chakra. Allez, lequel je vais prendre? Celle-ci. Bon, ben, j'ai pas fait exprès. Hein. Le chakra, c'est le vert. Voilà. Donc là, c'est le chakra du cœur. Voilà. Chakra du cœur. On y est en plein dedans. Donc, on va voir maintenant avec donc, le tarot de l'affectif, l'oracle dit miroir plutôt, qu'est-ce qui s'y passe. À de suite, mes amis poissons. Allez, on revient et on va voir qu'est-ce qui se passe pour vous avec donc l'oracle des miroirs, poissons. Ascendant poisson, votre sentimental et ce qui vous réserve l'avenir sur ce mois de novembre. Bon, pas de surprise, la chance. Donc, tous les événements positifs viennent à vous. L'argent, le cœur, la santé, beaucoup de choses, la prospérité, peut-être un achat immobilier, de l'argent qui rentre pour vous. En tout cas, là, c'est top. Donc, effectivement, et tous vos projets, c'est la chance. On parle de réponse à donner, là. Donc, la réponse à donner, c'est une situation. Alors, soit il y a une personne qui attend une de vos réponses, soit, effectivement, il y a... peut-être que vous êtes dans la loi, parce qu'on dit qu'il y a une réponse à donner au niveau du juridique et de la justice. Mais comme vous voyez, derrière, il y a de nouveau le soleil. Donc, on va dire qu'il y a une situation... qui va être tranché en votre faveur.
Donc là, on est vraiment dans l'ère du jugement et la situation est forcément positive et s'améliore pour vous sur le plan de vous sentimental. Je crois que j'ai rien à dire, hein, tout a été dit. Je précise que les lames sont tirées en direct. Donc ça veut dire que les messages me parviennent avant même de tirer la lame. Donc là, il y a un côté loi. Donc peut-être vous avez un souci avec le côté juridique, hein, une séparation, peut-être un problème dans le professionnel, mais ça se règle et c'est en votre faveur. Donc peut-être retournement de situation dans le sentimental. Hein. Ah ben voilà, trahison. Ah, donc trahison dans le côté affectif. Hein. Donc là, peut-être effectivement que vous avez vous êtes senti peut-être mal. Peut-être qu'il y a une trahison, hein, peut-être relation avec vous, avec une personne peut-être qui est déjà engagée, hein, ou en tout cas trahison aussi dans le travail. Donc là, on vous donne, c'est le retour. Le retour, il est positif pour vous. Comme je vous ai dit, c'est la chance, c'est la prospérité. Voilà. Bon, donc là, c'est. Donc il y a des personnes, pour moi des poissons, qui sont en arrêt de travail ou effectivement pour ceux, alors je vais le dire, hein, pour ceux qui n'ont pas de travail ou qui ont été suspendus, qui sont à la retraite, au chômage ou en congé, on dit que la roue elle tourne pour vous puisque la justice vous donne raison. Donc après une période de repos, donc d'inactivité, eh bien, la justice va positionner pour votre retour au travail, puisque je vous ai dit, il y a quand même le côté chance là, et même le côté amour, puisque les problèmes professionnels ont engendré des soucis aussi dans le couple. Donc, à mon sens, ce n'est pas si négatif que ça. On va regarder ce qu'il en est plus précisément. Je ne sais pas si vous voyez tout. Je ne sais pas si vous voyez tout. Mais en tout cas, on va faire les choses différemment. On va les poser là pour que vous les voyez mieux. Voilà. Et là, au moins, vous voyez mieux. Hop, allez. Alors, là, on parle de voyage. Hein. Donc, les voyages, c'est. Où on espionne quelqu'un, où on s'intéresse à une situation. Les voyages, c'est les allées et venues aussi. Hein. L'argent, on veut prendre de l'argent pour peut-être partir en voyage. Ben, il y a des déplacements par rapport au travail. Déplacements pour aller peut-être en juridiction, pour aller chercher justement le jugement qui vous est favorable. Donc peut-être il y a une, on appelle ça, une convocation, mais qui est favorable par rapport à la loi. Voilà. Bon, ça concerne plutôt les hommes, hein. Les hommes poissons et ascendant poisson. Bon, il y a une évolution qui est très positive. Je vous ai dit que ce mois de novembre était très très bon pour vous, hein. Voilà, problème de santé. Alors, poisson, si vous êtes des personnes qui avaient été vaccinées, ou même pour les non vaccinés, il y a la loi qui revient vers vous, mais d'une manière quand même très positive. Donc ça veut dire que là, il y a l'hôpital, il y a la santé, il y a les gens peut-être qui se sentent mal, qui ont des arrêts de travail, peut-être à la retraite aussi. Mais pour moi, les gens qui sont non vaccinés là, il y a un retour au travail poisson. Voilà, peut-être que vous avez été placé pendant un petit moment à l'isolement ou peut-être même en télétravail. Et là, il y a le retour au travail et il y a une réponse positive au niveau de la justice. Donc pour moi, il y a quand même des choses très très intéressantes pour vous. Voilà. On prend de la distance, vous voyez. Donc là, c'est vrai qu'on s'est éloigné quand même du monde un peu professionnel, mais même au niveau sentimental, il y a des choses qui sont quand même très 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 intéressantes. Hein. On dit que vous êtes. Il y a une personne qui n'habite pas peut-être à côté de vous, peut-être même à l'étranger ou d'origine étrangère, et il y a le retour aux nouvelles. Donc on attend des nouvelles ou on en donne, mais. Faut y aller là. Voilà, vous voyez, au niveau du travail, voyez.
Pour moi, il y avait des personnes qui étaient en arrêt de travail, mais on dit que vous revenez au travail ou on est revenu au travail peut-être un petit peu avec la boule au ventre, hein, mais c'est quand même positif. Voilà, bon, il y a une réunion. Bon, il y a des retrouvailles là, il y a des discussions autour peut-être d'un restaurant ou d'une invitation ou peut-être même du juge, mais c'est très intéressant. Voyez. Bon, à l'étranger, ouais, je vous l'ai dit, il y a peut-être un voyage à l'étranger. Voilà, donc, qu'est-ce qu'on dit la dernière lame? La famille. Donc là, peut-être qu'on travaille dans un milieu où il y a des enfants. On dirait qu'il y a des poissons qui travaillent le milieu des enfants ou qui gardent les enfants, ouais, tout simplement. Voilà, peut-être qu'il y a des... au niveau affectif, et puisque l'affectif, c'est l'amitié, c'est la fraternité, etc. À mon sens, il y a des poissons, hommes, qui attendent peut-être une décision de justice favorable concernant la garde des enfants. Voilà. On va regarder sur l'œil de lotus. Qu'est-ce qu'il dit, lui? Donc, l'œil de lotus, c'est celui-là. Regardez comme il est beau. Allez, on y va pour vous. Qu'est-ce qu'il est dit? Pour les poissons, ouais. Bon, c'est rien ça. Ça, c'est la jalousie. Là, on est dans la jalousie, hein. Donc, il y a des gens qui vous apprécient pas. Il y a les médisances, on vous critique. Et allez, que ça y va. Voilà. Mais, voyez, il y a l'abondance. Donc, vous avez le dessus sur vos ennemis. Et en plus, vous êtes un petit ange très, très, très sympathique. Voilà. Ah. Alors, peut-être que vous avez rencontré votre ange. Hein. Rencontre avec l'ange. Peut-être que vous avez rencontré un ange, ou en tout cas, il y a une rencontre qui est bénéfique, qui est très, très bénéfique pour vous. Et, ah, c'est très, très bénéfique. Ah oui, et il y a le choix. Ah, là, il y a le choix. Eh bien, vous n'êtes pas dans la... poisson, vous n'êtes pas dans la mouise. Hein. Il y a un choix à faire. Hein. Il y a un nouveau départ de toute façon. Nouveau départ pour vous. Vers une femme. Voilà. Donc ce tirage, désolé pour les femmes si vous êtes ascendant poisson. Quoique, une femme poisson peut rencontrer, faire le chemin pour la rencontre. Hein, vers son guide hein, finalement. Donc on dit que poisson, vous avez rencontré votre guide. Vous en êtes complètement malade. Hein. Vous n'êtes pas bien. Voilà. Peut-être que vous êtes malade d'amour, hein, tout simplement. Ah ben, allez, de nouveau la chance. Bon, ben, écoutez, peut-être souci d'argent qui se résolve. Hein. Voilà, allez. Eh bien, décidément, très positif pour les poissons. Pensez vers une femme qui vous amène quand même des choses très intéressantes. Donc, ça peut être une femme vers une femme. Hein, aussi. Hein. Voilà. Bon, bah, vous allez prendre les risques. Hein. On dit qu'il y a des risques qui vont être pris par rapport à cela. Bon, on parle de détachement. Alors, je vous le dis, le détachement n'y fera rien. Le détachement n'y fera rien. Voyez, donc la justice qui revient. Donc pour certains poissons, effectivement, une situation qui se termine et on dit que vous vous détachez suite à ce jugement de... Peut-être, vous voyez, il y a le détachement à la justice, donc peut-être qu'il y en a qui ont été en télétravail aussi. Hein. On revient quand même dessus. Voilà, il y a des jugements d'amour. Non, c'est... voilà, pour moi, il y a des choses quand même très, très, très intéressantes. Hein. Bon, je vais terminer par mon triade, hein, comme d'habitude. Désolée si ce tirage est très très long. On va regarder ce qu'il en est pour vous. Allez. Hop. Non, c'est pas celui-là. Pourquoi je reprends celui-là? N'importe quoi. Le triade. Regardez. Si vous voulez me faire un don, c'est bientôt mon anniversaire. Regardez comme il est vieux. Ah, allez, on y va.
Alors, qu'est-ce qui va se passer pour les poissons sur ce mois de novembre, poissons ascendant novembre? Alors ça. Ah ça. Hop, une situation au niveau de l'amour. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Bon, ben là, il y a la richesse. Je vous ai dit, il y a l'abondance, la richesse. Les rencontres aussi, peut-être sentimentales. Vous êtes quelqu'un d'assez entouré. Vous avez de l'argent. Pour certains poissons, il y a quand même le côté financier, le côté patrimoine qui est là. Vous aimez l'argent, mais vous en avez aussi. Voilà. Mais vous êtes quelqu'un quand même de généreux. Vous aimez échanger, partager lorsque vous aimez. Il y a quand même il y a la rentrée d'argent. Voilà. Et qui arrive d'ici pas très longtemps. Voilà. Donc là, on parle de stabilité. Donc stabilité, donc pour les poissons, il y a stabilité financière, mais il y a un aboutissement. Donc peut-être aussi pour certains poissons, on veut se stabiliser après avoir connu peut-être beaucoup de conquêtes. Voilà, en tout cas, c'est un amour véritable, un amour durable. Voyez, la tour avec l'infini, hein, donc voilà. Et ça, c'est l'éloignement. Alors, des poissons. Poissons à la stérilité. Donc, pour l'instant, dans le futur, il y a un éloignement par rapport à ce que vous souhaitez ou la personne est éloignée de vous. On dit en tout cas que ou vous donnez pas de nouvelles ou elle ne vous en donne pas. Donc, pour moi, il y a un éloignement physique et géographique, mais aussi il y a la stérilité. Donc, peut-être il y a certains poissons qui ont des difficultés ou qui ont mis de l'argent pour avoir un enfant et en tout cas ça ne fonctionne pas comme ça devrait. Voilà. Bon, on dit que vous êtes un homme de pouvoir quand même, hein. Il y a la concrétisation du couple avec l'argent, donc avec une signature, peut-être il y a une signature aussi par rapport à ça, et là on parle de méfiance et de doute. Donc en ce moment, il y a beaucoup de confusion en vous, hein, au niveau sentimental. Vous ne savez pas trop où ce que vous devez aller. Mais on dit que vous allez vers un nouveau départ. Donc, nouveau départ, nouvelle histoire. Quelque chose de ralenti, mais ça se fait. Voilà. Donc là, vous vivez seul. Ou dans votre bureau, ou chez vous êtes très très isolé chez vous. Et vous avez du mal à aller de l'avant, peut-être. Vous avez peur de sortir de votre solitude et de perdre peut-être votre solitude aussi parce que vous êtes ancré trop dans votre passé. Voilà, c'est belle, voilà le scorpion. Scorpion, cancer, poisson, ça c'est vous, hein. C'est votre signe. Hein. Donc au niveau du finance, il y a quand même des hauts et des bas, faire un petit peu attention aussi. Peut-être il y a une certaine routine dans votre vie, beaucoup de sensibilité. Voilà. Mais ça avance quand même. Et vous êtes quand même quelqu'un de taiseux. Donc là, on est dans le mutisme. Il n'y a pas de communication. Par contre, vous êtes un signe qui est très mélomane. Vous aimez beaucoup, beaucoup la musique. Mais vous vous reposez. Donc pour l'instant, au niveau sentimental, vous laissez que les choses elles avancent. Si je vous ai dit quand même sur le mois de novembre qu'il y avait quand même un positionnement quand même qui était positif. Alors, je vais faire un tirage pour... Et célibataire, est-ce que vous avez rencontré quelqu'un? Allez, on y va. Oui. Par des textos échangés. Or, peut-être aussi ça pianote sur Internet. Hein. Donc, peut-être qu'il y a des poissons qui sont sur les réseaux. Attention, en tout cas. Relation dans le travail. Hein. Donc, pour moi, il y a certains poissons qui rencontreront quelqu'un par rapport au travail. Et peut-être... peut-être qu'il y a des poissons même qui donnent... qui sont dans l'enseignement. Donc, prof... d'université, fac, collège, tout ça. En tout cas, on enseigne, on forme. Hein. Voilà. Et peut-être même, il y a des poissons qui sont masseurs ou kinés, etc. Puisque c'est des métiers quand même manuels. Donc, rencontre dans la sphère professionnelle. Vous voyez, les papiers, c'est la sphère professionnelle, c'est les contrats. Donc, signature de contrat, mais on dit qu'on travaille ensemble quand même. Et que c'est un très, très bon pour vous. Donc, pour ceux qui sont célibataires aux poissons, rencontre dans le professionnel ou par le biais professionnel, peut-être qu'on partage les mêmes vues sur ce côté-là. On dit que c'est une relation très équilibrée, mais libre. On a une certaine liberté, un certain épanouissement et il y a la réussite.
Que dire de plus? Alors mes petits poissons, voilà, je vais terminer le tirage que je vous ai fait là pour vous. Je vous souhaite un très 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 bon mois de novembre, plein de bonnes choses. Et regardez la dernière acquisition que je viens de faire. Regardez. Est-ce qu'il n'est pas beau? Trop trop beau. Je vous fais de gros mimi. Et nature peinture. Là au moins on ne peut pas dire que je ne suis pas au naturel. Je vous embrasse. À très bientôt mes poissons. Je vous aime beaucoup. Au revoir.